Bonjour, je m'appelle Fiona Burton et je viens d'être diplômée à l'École supérieure de sans ambulanciers de Genève. Ce jeudi 7 juillet à 9h15 sur esam.ch, je vais présenter mon travail de diplôme qui traite de la prise en charge du syndrome coronarien aigu chez les femmes. Je me réjouis de présenter mon travail et de répondre à vos questions. À jeudi! Bienvenue à ma présentation de travail de diplôme sur comment le sexe et le genre féminin exercent une influence sur la prise en charge du syndrome coronarien aigu. Pour la structure, je vais avoir un petit peu le même plan que tout le monde, du coup je ne vais pas trop détailler, c'est surtout dans mes résultats, j'ai voulu essayer de prendre une prise en charge ambulancière de A à Z, avec tout ce que ça peut englober autour, du coup je vais parler des facteurs de risque sur lesquels on peut avoir un peu un impact, sur la manière de diagnostiquer un syndrome coronarien aigu, sur la régulation 144 qui peut nous imposer des biais, la prise en charge en elle-même, ce qu'on nous enseigne à l'école, et puis d'un point de vue prévention plus vaste aussi au niveau des patients. Mes motivations, c'est mes parents ont toujours travaillé dans la santé publique, du coup c'est un domaine où j'étais exposée depuis toute petite et c'est quelque chose qui m'intéresse. Il y a aussi l'importance du syndrome coronarien aigu en préhospitalier, on nous rabâche avec des interventions de douleurs thoraciques à l'école. C'est vraiment un type d'intervention, on peut faire une différence, on peut vraiment avoir un gros impact qui peut changer la survie des patients. Et on sait qu'il y a beaucoup de patients qui en décèdent aussi. C'est vraiment quelque chose où on peut faire une différence. Et aussi simplement parce que je me sens concernée, parce que je suis une femme et que j'ai des risques de faire un syndrome coronarien aigu dans ma vie. Si on peut faire ça bien, c'est marrant. Au niveau du cadre de référence, je voulais juste faire une première définition assez rapide. Donc le sexe et le genre, c'est des termes qui ont été assez interchangeables pendant très longtemps. Là, on essaie de faire de plus en plus cette différence entre ces deux termes. Le sexe est vraiment lié à une construction biologique de nos chromosomes, de nos organes reproducteurs, etc. Et le genre, c'est plus une construction sociale de comment on se perçoit en rapport aux autres. Au niveau de l'épidémiologie, les maladies ischémiques, elles font 7 millions de décès par année. Au niveau mondial. En Suisse, en 2018, il y a 20 596 décès qui ont été provoqués par des maladies cardiovasculaires. Pas juste le syndrome coronarien aigu, mais de manière plus vaste. Dans les valeurs absolues, on voit qu'il y a un peu plus de femmes qui décèdent de syndrome coronarien aigu, environ un petit peu moins de 2000 de plus comparé aux hommes, mais le décès pour 100 000 habitants, il est deux fois moins pour les femmes que pour les hommes. Au niveau des facteurs de risque, là, il y a aussi déjà une différence, c'est qu'il y a 94% du risque attribuable aux infarctus du myocarde chez les femmes peut être attribué aux facteurs de risque, alors que chez les hommes, c'est seulement 90%. Au niveau de l'anatomie et de la physiologie, on voit aussi plusieurs différences. Les femmes ont en général des coronaires plus fines, elles ont des cœurs plus petits, du coup des coronaires plus fines, puis ça peut moduler le stimulus douloureux. Les femmes, avant leur ménopause, ont beaucoup d'œstrogènes circulants aussi qui feraient une protection de l'endothélium vu que les œstrogènes augmentent la libération de NO qui sont vasodilatateurs. Du coup, ça pourrait protéger l'endothélium et les coronaires. Et c'est une de ces choses en médecine où on ne sait pas exactement pourquoi ça marche. Ils ont essayé de donner des traitements aux œstrogènes à des femmes post-ménopausales et il n'y a pas eu de diminution du risque de syndrome coronarien aigu. Du coup, ça marche, mais on ne sait pas trop pourquoi. Et les femmes font aussi plus d'infarctus sans obstruction des coronaires, ça s'appelle des minoca, qui est un peu moins facilement diagnosticable, comme un stémie où il y a vraiment un caillot dans une artère, dans une coronaire, mais c'est très flagrant là, c'est un peu plus subtil à diagnostiquer. Au niveau de l'historique aussi, il y a déjà eu des biais qui ont été imposés. En 1912, il y a James B. Herrick, qui était médecin, qui a publié le premier article qui décrit les infarctus du myocarde. Avant, soit les gens étaient vivants, soit ils avaient un problème au cœur et ils mouraient, et il n'y avait pas tellement cette période entre deux. Il est décrit qu'il y avait cette période entre deux. La symptomologie, elle est concordante dans son article. Il parle des douleurs thoraciques, de la diaphorèse, des douleurs abdominales, des vomissements, etc. Par contre, sur les 13-4 patients qu'il a décrits, que ce soit les siens ou ceux de ses confrères, il décrit clairement 10 hommes et 3 personnes ne sont pas clairement nommées féminins ou masculins. Du coup, on n'arrive pas à définir, mais en tout cas, il ne parle pas directement de femmes qui font un infarctus du myocarde. Au niveau des tests diagnostiques, il y a aussi des différences.
au niveau des valeurs laboratoires des troponines et des CKMB, qui sont des marqueurs d'enzymes de souffrance, des marqueurs de souffrance cardiaque, pardon, les normes chez les femmes sont plus basses que chez les hommes. Malheureusement, le seuil diagnostique il reste pareil entre les hommes et les femmes. Du coup, ça pourrait potentiellement faire des faux négatifs chez les femmes. Au niveau des tests diagnostiques, il y a aussi l'ECG. Les ECG de femmes qui font des sthémies est en général moins flagrant. Elles ont un sus-décalage du segment ST maximal qui est plus petit que les hommes. Si on additionne tous les sus-décalages qu'elles ont sur un ECG pathologique, la hauteur totale est aussi plus petite chez les femmes que chez les hommes. Elles ont moins de sus-décalage ST de plus de 6 mm. Elles font plus de sus-décalage ST de moins de 2 mm. Donc on voit qu'en général, ils sont moins grands, moins flagrants, et ça peut un peu poser des biais aussi. Au niveau de la pharmacologie, purement entre les hommes et les femmes, il y a plusieurs différences qui existent. Il y a notamment la différence... Au niveau de l'absorption, c'est assez similaire, mais au niveau de la distribution, ça dépend du type de la quantité de tissu adipeux, du volume d'eau, du volume sanguin circulant. Au niveau de l'élimination, ça dépend de la fonction rénale. Il y a effectivement des différences entre les hommes et les femmes, mais les différences entre les hommes eux-mêmes et entre les femmes elles-mêmes sont tellement plus importantes qu'entre un sexe et un autre qu'on ne peut pas clairement dire que bah, chez les hommes c'est comme ça et chez les femmes c'est comme ça, parce qu'il y a trop de différences intrasexes. Au niveau des études cliniques aussi, on a été un peu porté à préjudice, les femmes. On est sous-représenté dans les études cliniques. En 1977, il y a la Food and Drug Administration aux États-Unis qui régit un peu plein de choses, notamment les études cliniques. Ils voulaient limiter le risque pour les femmes enceintes, pour leur fœtus. Du coup, ils ont décrété que toutes les femmes qui étaient potentiellement enceintes ou qui pouvaient potentiellement être enceintes ne devaient pas faire partie des études cliniques. Ça a éliminé un grand nombre de femmes. Des fois, il fallait même avoir une double contraception pour être sûr qu'elles ne puissent pas être enceintes avant de rentrer dans les études. En 1993, ils ont décidé de lever ce règlement. En réalisant qu'il fallait quand même des femmes dans les études. Ça a à peu près rétabli l'égalité. Maintenant, il y aurait, d'après leur étude, 47,3% de femmes dans les études cliniques. Malheureusement, vu qu'il y a eu ce trou d'environ une quinzaine d'années, il faudrait avoir plusieurs années où il y aurait un surplus de femmes comparé aux hommes pour essayer de combler un petit peu ces statistiques manquantes. Basé sur tout ça, on voit déjà qu'il y a des différences inhérentes entre les hommes et les femmes sur le syndrome coronarien aigu. Ma question, c'était, est-ce qu'il y a des éléments spécifiques liés au sexe et au genre qui sont modifiables en préhospitalier qui pourraient diminuer la mortalité des femmes qui font SCA ? Parce qu'on ne peut pas modifier la taille des coronaires des femmes, mais est-ce que nous, on peut avoir un impact pendant notre prise en charge ? Pour analyser ça, j'ai utilisé plusieurs méthodes. J'ai fait une revue de littérature où j'ai pris un petit peu plus de 70 études, surtout quantitatives, mais j'ai quelques études qualitatives. J'ai eu des rendez-vous avec des responsables des centrales 144, le responsable de la centrale de Valais, celui de Vaux-Neuchâtel et celle de Genève, pour discuter un peu de leurs algorithmes de tri au téléphone. J'ai fait une analyse des algorithmes ambulanciers romands. J'ai eu 14 algorithmes différents sur 15 qui existent en Suisse romande. Et j'ai fait une analyse des cours qu'on nous donne sur le syndrome coronarien aigu dans les écoles supérieures de soins ambulanciers. J'avais bien évidemment les cours de Lesambes, j'ai aussi eu accès à cours de Mehdi, j'ai demandé à Azure, ils n'ont pas voulu partager. Au niveau des résultats, j'ai mis les facteurs de risque pour voir que justement on peut avoir un impact plus ou moins différent. Il y a des facteurs de risque qui sont très clairement, d'après les études, qui vont dans le même sens. Typiquement pour la prévalence de l'hypertension, à chaque fois en orange c'est les femmes et en rouge c'est les hommes, on voit que... Pour les femmes, elles font en général plus d'hypertension dans le cas de sthémie, de syndrome coronarien aigu et d'infarctus du myocarde. Pareil au niveau du diabète, les femmes semblent être plus souvent diabétiques, enfin qu'il y a une prévalence plus importante du diabète chez les femmes que chez les hommes. Après, il y a d'autres études qui ne sont pas concordantes, où c'est un petit peu moins clair, typiquement au niveau de la proportion de fumeurs et de fumeuses. J'ai une étude qui dit que les femmes fumeraient un petit peu plus que les hommes quand elles font un infarctus du myocarde, alors qu'une autre étude qui dit que dans le cas des sthémies, elles fumeraient moins que les hommes. Au niveau du surpoids aussi, c'est pas hyper clair. A priori, les femmes qui font un infarctus du myocarde, elles seraient moins souvent en surpoids.
mais elles seraient dans un surpoids plus important. Il y aurait plus de femmes qui auraient un BMI au-dessus de 35, mais sur la proportion des personnes en surpoids, il y aurait un petit peu moins de femmes. Donc, ce n'est pas hyper clair non plus. Il y a d'autres facteurs de risque. De nouveau, si on parle un peu de psychosocial, de genre, etc. Les femmes qui font des infarctus du myocarde seraient dans des foyers avec un revenu total plus inférieur que chez les hommes. Et elles auraient aussi un diagnostic de dépression plus important chez les femmes que chez les hommes. Cependant, on sait que les femmes sont naturellement plus diagnostiquées de dépression que les hommes. Du coup, est-ce que c'est vraiment qu'elles sont plus dépressives ou est-ce qu'il y a juste plus de femmes qui sont diagnostiquées en tant que telles? Donc ça, c'est pas très clair non plus. Et pour finir avec les facteurs de risque, c'est une étude qui a été réalisée par Pelletier en 2016. Ils ont fait de la régression logistique pour essayer de créer un index de genre pour savoir quelles caractéristiques correspondaient plus aux hommes ou aux femmes en faisant de la régression logistique. Et ils ont essayé de comparer ces données en se disant si une personne a fait un syndrome coronarien aigu, quel est le pourcentage de chances que cette personne refasse un syndrome coronarien aigu dans l'année. S'ils comparent purement basé sur les caractéristiques sexuelles, biologiques, c'est 3% et 3% pour les hommes et pour les femmes. Et s'ils comparent avec leur index de genre qui a été créé, pour ceux qui sont plus typés genre masculin, il n'y aurait que 2% de chances qu'ils refassent un SCA dans l'année, alors que celles et ceux qui sont plus typés féminins auraient 5% de chances de faire un SCA dans l'année. Du coup, on voit que les chances augmentent de 66% juste avec des questions de genre et pas forcément de sexe. Maintenant, pour parler du diagnostic, l'American Heart Association a fait deux définitions. La définition typique qu'on connaît un petit peu tous, la définition atypique qu'on connaît un peu moins, on est moins au clair. J'ai décidé de laisser les deux définitions en anglais parce qu'il y a des termes qui ne se traduisent pas très bien en français. Du coup, la définition typique, c'est chest pain, discomfort, pressure, tightness, squeezing, additional symptoms with chest pain, radiation of pain to jaw, neck, shoulders, arm, back, epigastrium, et associated symptoms, dyspnea, nausea, vomiting, lightheadedness et diaphoresis. Ça, c'est vraiment la définition typique qu'il y a en bas de l'algorithme douleur thoracique de la CORFA. Il y a cette définition aussi atypique, chest pain, sharp, pleuritic, burning, aching, soreness, reproducible. Other symptoms including chest pain, unusual fatigue, unusual shortness of breath, upper back, chest pain, neck, jaw, arm, shoulder, back, epigastric pain, flu-like symptoms, dizziness, generalized scared anxiety feeling, generalized weakness, indigestion, palpitation. On voit déjà que cette définition, elle est plus longue, elle englobe plus de symptômes, et qu'au final, il y a plein de personnes chez qui on va qui font potentiellement ces symptômes sans la douleur thoracique franche, qui pourraient potentiellement faire un syndrome coronarien aigu. Une étude s'est intéressée justement de savoir quels sont vraiment les symptômes qu'on présente le plus lorsqu'on fait un infarctus du myocarde. C'est une étude de 2010 avec 796 patients. Et le symptôme qui ressort le plus sur toutes ces personnes qui ont fait un infarctus du myocarde, c'est la diaphorèse, la transpiration massive, avec un adjusted odds ratio de 5,18. En deuxième place, il y a les vomissements, avec un adjusted odds ratio de 3,50. Et seulement en troisième place, il y a les douleurs thoraciques rétrosternales, avec un odds ratio de 3,29. Du coup, on voit qu'il y a quand même certains écarts, et puis que si quelqu'un transpire, faut s'inquiéter un petit peu. D'autres valeurs que je trouvais intéressantes aussi, c'est de voir que l'irradiation dans les deux mondes supérieurs est plus prévalente que l'irradiation dans le monde supérieur droit, qui est elle-même plus prévalente que l'irradiation dans le monde supérieur gauche. Du coup, cette histoire de ça irradie dans le bras gauche, au final, c'est pas forcément le plus important. Si ça irradie dans le bras droit, faut peut-être un peu plus s'inquiéter. Toujours au niveau du diagnostic, une étude a été réalisée, c'était une cohorte de 69 études pour savoir combien de personnes présentaient des DRS ou pas lors d'un syndrome coronarien aigu. On voit d'après cette étude que les hommes ne présenteraient pas de DRS dans 27,4% des cas, alors que les femmes, c'est dans 37,5% des cas, qui est quand même une différence notable. Cependant, une autre étude de 2021 qui regroupait 586 patients, du coup, ce n'est pas la cohorte de 69 études, il y a moins de patients. Ils ont analysé aussi justement cette question de présentation typique et atypique avec des douleurs thoraciques ou non. Pour eux, ce n'était pas tellement lié au sexe de la personne, mais c'était plus lié à l'âge. Ils ont remarqué que plus une personne est âgée, plus elle va faire des présentations atypiques.
Et vu que les femmes sont protégées justement par cette notion d'œstrogène un peu post-ménopausale, elles feraient des infarctus un peu plus tard que les hommes. Du coup, la moyenne d'incidence des infarctus, c'est 65 ans pour les hommes et 71,8 ans pour les femmes, ce qui pourrait expliquer pourquoi plus de femmes feraient des infarctus atypiques. Au niveau des infarctus silencieux aussi, là, les chiffres ne sont pas hyper concordants entre différentes études. D'après une étude, les femmes en feraient un petit peu moins, d'après une autre, elles en feraient un petit peu plus, et d'après une autre, c'est dramatique le nombre d'infarctus silencieux chez les femmes comparé aux hommes. Du coup, on ne peut pas tellement conclure non plus d'éléments. Au niveau du diagnostic, il y a une autre étude qui a été réalisée, qui est intéressante, qui a voulu analyser l'impact du sexe et du stress pour des jeunes internes et des jeunes médecins. À gauche, c'est un tableau d'une étude qui a été réalisée avec des jeunes internes et à droite, avec des jeunes médecins. Le but était en fait de leur donner des vignettes cliniques qui représentaient des patients. Il y avait juste deux éléments qui changeaient. C'était si c'était un homme ou une femme, et si la personne, le patient mentionnait qu'il était stressé ou pas dans ce contexte-là, dans le contexte de l'anamnèse. On peut voir que dans la première étude, s'il n'y a pas de stress, les femmes sont déjà un petit peu moins diagnostiquées avec un coronary heart disease. Alors que s'il y a le facteur de stress qui est en plus de ça, les femmes sont nettement moins diagnostiquées avec un coronary heart disease. Et pareil pour les jeunes médecins. Les valeurs sont un petit peu plus hautes de manière générale, mais il y a aussi cet écart qui est marqué, et puis il y a de nouveau cet écart qui est marqué si on rajoute le facteur stress dans l'anamnèse. Alors qu'on sait qu'en plus, le stress, c'est un facteur de risque des maladies cardiovasculaires, mais peut-être qu'ils mettent le compte de la douleur thoracique sur du stress, et du coup, ce serait peut-être pas quelque chose de cardiaque. Au niveau de l'ECG, il y a aussi plusieurs problématiques. De ce qu'on voit à l'école, c'est les espaces intercostaux, etc. C'est toujours souvent sur des représentations masculines. Et quand on arrive en stage, on les explique qu'on colle sous la poitrine parce que c'est un petit peu moins invasif pour les femmes. Il y a moins d'artefacts parce qu'il n'y a pas du tissu adipeux dessus. En fait, ils ont fait une étude qui regroupait des patients et ils ont essayé de comparer des ECG justement en posant l'ECG comme on devrait avec les espaces intercostaux et sous la poitrine. Pour essayer de comparer ces données. Ils ont vu qu'il y a trois dérivations, ça fait des différences. C'est surtout en V3 où il y aurait plus 0,034 millivolts de différence, si on le met en place sous la poitrine au lieu de sur le sein. En V5, il y aurait moins 0,119 millivolts, et en V6, il y aurait moins 0,034 millivolts de différence. En sachant que 0,1 millivolts, ça fait 1 mm, si on le met sous la poitrine, en V5, V6, ça pourrait faire des faux négatifs. Et du coup, on pourrait ne pas diagnostiquer des infarctus latéraux alors qu'ils existent. Il y a une autre étude que j'ai lue, une étude qualitative de 50 participants qui leur demandaient leur avis sur justement est-ce qu'elles préféraient avoir sur ou sous la poitrine. Il y a 52% des femmes qui préfèrent les électrodes sur le sein parce qu'elles trouvaient ça un peu moins invasif. Il y a 38% des femmes qui n'ont pas de préférence. Et du coup, ça reste très peu de pourcents qui préfèrent sous le sein. Dans tous les cas, toutes ces femmes acceptaient le CG en préhospitalier, peu importe le sexe du soignant ou de la soignante, sur la poitrine, si on leur expliquait que ça pouvait faciliter et réduire le temps des traitements par la suite. Voici une magnifique image en cadeau de comment on met un électrogramme sur une femme. Toujours au niveau du diagnostic, il y a les hôpitaux de Caroline du Nord qui ont créé le North Carolina Disease Event Tracking and Epidemiologic Tool. Ils ont aussi fait de la régression logistique pour essayer de créer un algorithme de pose de CG pour ne pas rater ces stémies atypiques, silencieux, etc. Du coup, ils ont basé cette étude sur 6464 patients et patientes qui ont fait un stémie. Ils ont créé un premier algorithme purement sur la régression logistique qui était sensible à 91,7%, spécifique à 76,3%, avec une valeur prédictive positive de 0,67% et une valeur prédictive négative de 99,98%, ce qui est déjà très bon, et ils ont un petit peu simplifié l'algorithme pour qu'il soit plus facilement mémorisable, et ça change presque pas les valeurs, il devient un tout petit peu plus sensible et un tout petit peu moins spécifique, mais les valeurs prédictives restent les mêmes. Je suis désolée, c'est pas très grand, je peux pas faire beaucoup mieux que ça. Je vais surtout m'intéresser à la partie droite, du coup c'est la règle simplifiée qui a été créée. Ça dit que toute personne à partir de 30 ans qui a des DRS, on lui fait un ECG. Si ce n'est pas le cas, toute personne à partir de 50 ans qui présente
une dyspnée, un état mental altéré, une douleur dans une extrémité supérieure, une syncope ou une fatigue, on lui fait un ECG. Et pour toutes les personnes à partir de 80 ans qui ont des douleurs abdominales, des nausées et des vomissements, on leur fait un ECG. Et si après tout ça, on utilise notre jugement clinique pour déterminer si on doit faire un ECG ou pas. La règle, elle est assez simple au final. Il y a 3 âges à se retenir, il n'y a même pas 10 symptômes à retenir. Puis c'est juste un peu pour essayer de ne pas rater ces infarctus atypiques. La règle qui était dérivée, premièrement, elle avait une catégorie de plus, c'était 31 ans, 50 ans, 62 ans, 82 ans. Du coup, ils ont un petit peu voulu la simplifier et ça change presque pas les valeurs de cet outil. Maintenant, au niveau du 144, on sait qu'en fonction de notre degré d'urgence et puis en fonction du message d'alarme qu'on reçoit, ça va changer un petit peu notre mentalité, même si on essaye d'arriver neutre sur toutes les interventions. Du coup, j'ai eu un rendez-vous avec le responsable d'exploitation de la centrale 144 Valais qui utilise l'EMPDS, qui est l'Evidence-Based Medicine, qui est très codé. Ce qui était intéressant, c'était surtout au niveau des douleurs thoraciques, les algorithmes sont à peu près pareils, que ce soit un homme ou une femme, mais c'était surtout au niveau des douleurs abdominales. Si un homme, à partir de 35 ans, présente une douleur abdominale, c'était de toute manière une P1 pour suspicion justement de problèmes cardiaques. Pour les femmes, c'était à partir de 45 ans où ça partait en P1, ce qui correspond un petit peu à cette différence d'âge qu'on a vue d'environ 8 ans qu'il y a sur l'incidence de l'infarctus du myocarde. Au niveau de la centrale Vaux-Neuchâtel, les algorithmes sont basés sur du bon sens, je cite le docteur Fabrice Damy. Il n'avait pas tellement d'algorithmes où il y avait des grandes différences notables sur les douleurs abdominales ou thoraciques, mais ils avaient sorti une étude pour montrer les résultats de leurs algorithmes de tri. Et du coup, il y aurait du surtriage, ça veut dire une P1 ou une P1 médicalisée qui est envoyée sur une course alors que le NACA sera entre 0 et 3 au final, ou du sous-triage, c'est une P2 ou une P3, alors que le NACA, c'est du 4 à 7 à la fin d'intervention. On voit qu'il y avait 78% de surtriage et seulement 4,6% de sous-triage. Il n'y avait pas de valeur entre les hommes et les femmes pour savoir qui était plus surtrié ou sous-trié, mais ça montre qu'en général, on engage un peu plus de moyens que nécessaire. C'est assez rare qu'on envoie moins de moyens, et puis c'est très bien comme ça. Ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que l'intervention peut évoluer entre le moment de l'appel, et puis le moment où on arrive, et puis le moment où on pose le patient à l'hôpital. Il y a plein de choses qui peuvent évoluer, surtout Vaux-Neuchâtel, des fois c'est des assez longues distances. Du coup, ça peut arriver qu'il y ait du sous-triage ou du surtriage qui évolue juste parce que les symptômes ont évolué le temps qu'on arrive ou le temps de la prise en charge. Et j'ai aussi contacté le responsable de la centrale 144 Genève. Ils ont leurs algorithmes qui sont basés sur l'échelle suisse de tri, qui est elle-même basée sur l'Evidence-Based Medicine. Pour eux, à partir d'un homme de 35 ans qui fait une douleur abdominale, ce serait une P1 médicalisée. Et les femmes, c'est seulement à partir de 65 ans qui présentent une douleur abdominale, ça ferait une P1 médicalisée. On ne sait pas d'où sort cette différence de 30 ans, mais il y a une différence de 30 ans dans les algorithmes que je ne vois. Aussi, au niveau des appels à l'ambulance, c'était intéressant de se savoir est-ce que les hommes ou les femmes appellent plus ou moins l'ambulance pour ces problèmes syndrome coronarien aigu. Il y a une étude de 2018 qui montre qu'en Suède, les femmes, elles appellent plutôt leur médecin traitant et elles ont moins recours aux ambulances et aux urgences, alors qu'une étude de 2021 en Australie montre que les femmes appellent plus souvent l'ambulance. Ça, je pense que c'est impossible de définir une norme de qui appelle plus, c'est très culturel, c'est très social. Puis même ici en Suisse, on voit que les ambulances ne sont pas appelées pour la même chose à Genève ou dans le Jura. Une autre étude a été réalisée entre 1991 et 2010 sur les hôpitaux en Floride sur l'infarctus du myocarde qui s'intéressait au genre des médecins qui prenaient en charge ces femmes qui faisaient des infarctus du myocarde. Et ils ont remarqué que si une femme qui faisait un infarctus du myocarde était prise en charge par une femme médecin aux urgences, sa mortalité diminuait en moyenne de 5,4%, ce qui n'est pas négligeable. Et ils ont aussi remarqué que pour 5% de femmes médecins en plus dans le service des urgences, la mortalité pour les femmes qui ont un infarctus du myocarde diminuait de 0,4%, qu'elles soient prises en charge par un homme ou par une femme. Voilà. Pour avoir des femmes, c'est sympa. Au niveau des ECG aussi, on sait que ça fait une différence, ça va donner du rythme, on peut potentiellement ouvrir une filière stémie aussi en fonction de si on a un ECG pathologique ou pas. Ils ont remarqué dans une étude qu'il y a 94% des hommes contre seulement 89% des femmes qui ont des DRS qui ont un ECG. Il y a une différence de 5% qui n'est pas forcément expliquée.
Et l'autre ratio d'avoir un ECG si on est un homme est de 1,25, ce qui est quand même pas négligeable. Et une autre étude a aussi montré que l'ECG pathologique était moins souvent notifié à l'hôpital. Les valeurs sont infimes, elles sont quand même, y a quand même environ 3-4% de différence, avec 61,9% des femmes et 65,1% des hommes. Au niveau de l'orientation hospitalière, il y avait aussi des différences. Les femmes, elles étaient plus souvent envoyées dans un hôpital adapté. Quand je dis adapté, c'est avec un plateau technique adapté pour la suite de la prise en charge, à 70,31% contre 74,79% pour les hommes. Elles restent plus souvent dans ces hôpitaux inadaptés, entre guillemets, à 7,1% contre 2,58%. Par contre, les transferts, ils sont un peu équivalents entre les deux sexes. Ce qu'on peut noter, c'est que les femmes, elles sont moins souvent éligibles à la coronarographie. De manière générale, elles ont plus de contre-indications à faire des coros. Après, moi, je ne me pose pas tellement la question de savoir si elles ont des contre-indications ou pas pour les emmener au HUG ou à la tour où elles peuvent faire des coros. Au moins, on donne tous les moyens possibles et puis après, ils regardent. Du coup, je ne sais pas si ça, c'est le biais, s'ils fonctionnent autrement ailleurs ou pas. Au niveau de la prise en charge, ils ont aussi réalisé une étude de 2021 avec 5384 patients qui voulaient évaluer les temps et les délais différents entre les deux sexes. Ils ont remarqué que les délais étaient augmentés pour les femmes du symptôme à l'appel, de l'appel à l'arrivée à l'hôpital, de l'appel au premier contact médical, de l'ECG au départ du site, du temps sur site total, de l'arrivée à l'hôpital à la coro et du temps ischémique total, c'était du coup 207,0 minutes pour les femmes et 190,52 minutes pour les hommes. À chaque fois, dans toutes ces catégories, il y a des légers écarts de quelques secondes, quelques minutes. On voit qu'au final, ça fait environ 17 minutes de différence, ce qui n'est pas négligeable. Une des choses qu'on pourrait déduire, c'est que vu que les symptômes sont moins clairs potentiellement, que le CG il est plus difficile à lire, qu'on a on peut un peu perdre du temps sur tous ces moments-là, et ce qui pourrait augmenter le temps ischémique total. Une étude qualitative qui a pris en compte 40 femmes voulait s'intéresser justement à qu'est-ce qui pouvait expliquer ces délais. Et ils ont ressorti 4 grandes catégories qui retardaient la recherche de soins pour les femmes. C'est l'incertitude des symptômes, de ne pas savoir si elles font quelque chose de cardiaque ou pas, parce que ce n'est pas très clair, ce n'est pas hyper évident. L'interaction inadéquate avec le médecin et la patiente, où elles n'avaient pas forcément ce lien de confiance, elles avaient peur que si elles contactaient leur médecin, qu'on les traite d'hypochondriaques, de stressés, etc. Les attentes sociales, c'est aussi un peu cliché, mais il y en a beaucoup dans cette étude qui ressortait le fait que mais faut s'occuper des enfants, et puis qui va faire à manger ce soir si je suis chez le médecin. Il y avait vraiment toutes ces attentes sociales qu'elles se mettaient un peu elles-mêmes parfois. Et il y a aussi les barrières structurelles d'accès aux soins, qui ça sont valables pour les hommes et les femmes, mais de savoir est-ce que je peux me rendre à l'hôpital. Comment je fais pour m'y prendre si j'ai pas forcément de voiture, est-ce qu'il y a des bus, etc. Au niveau des algorithmes ambulanciers romands, ce qui représente vraiment ce qu'on fait nous en Suisse romande, j'ai voulu m'intéresser au titre des algorithmes et aux définitions qui sont mises dans les algorithmes. Au niveau des titres des algorithmes, il y a 57,14% des algorithmes qui incluent le mot douleur dans le titre de l'algorithme. 21,43% qui parlent de syndrome coronarien aigu et les derniers 21,43%, ça inclut les deux termes. On sait qu'il y a une volonté parfois de traiter en fonction de signes et de symptômes. Cependant, on a vu que parfois, il y a des gens qui ne font pas des douleurs thoraciques et que ça peut imposer des biais. Au niveau des définitions aussi, il y a environ 43% qui fait des définitions, qui notent la définition typique. Il y a seulement 14,29% qui mentionne une définition atypique et il y a 43% qui ne mettent pas de définition tout court. Du coup, on voit qu'il y a quand même un petit nombre de services qui mettent en avant cette définition atypique, mais c'est clairement la minorité. Au niveau des traitements médicamenteux qu'on donne en aigu ou post-infarctus aux femmes, j'ai pas trouvé énormément de données, je sais juste que l'aspirine, les femmes ont 2,3 à 2,5 fois plus de chances d'être moins sensibles aux effets. Ça réduirait effectivement le risque des infarctus du myocarde qui ne sont pas mortels. Par contre, pour les infarctus du myocarde mortels, on n'a pas tellement de données parce qu'elles sont inconclusives. Au niveau des IECA, on a des données contradictoires, on ne peut pas en conclure quelque chose. Au niveau des bataques bloquants, apparemment, ça sera similairement efficace. La digoxine, il y aurait une mortalité élevée chez les femmes. On sait que ça a une fenêtre thérapeutique basse et elle serait plus à risque de faire potentiellement des surdosages.
Et j'ai malheureusement pas trouvé de différence concrète entre les dérivés nitrés, les barines, le clopidogrel et le prasugrel. J'arrive gentiment au bout. Maintenant, au niveau de l'enseignement, en 1997, il y a le Women's Health Interschool Curriculum Committee of Ontario, qui était un comité qui a été créé dans la fac de médecine, qui a voulu faire une liste de recommandations pour essayer d'intégrer le genre, justement, en médecine. L'UNIL, en 2016, elle a dérivé cette liste de recommandations qui est très longue. Ils ont fait une checklist plus simple, basée justement sur ces recommandations pour essayer d'intégrer le genre aussi à la faculté de médecine. Du coup, j'ai voulu analyser les cours de Lesambes et de Mehdi, l'école de Berne, avec cet outil de l'université de médecine. Je vous ai mis les premières parce que j'ai tapé étudiant ambulancier, puis c'est la première photo qui est sortie, si jamais. Vous savez maintenant. Du coup, j'ai analysé les cours sur le syndrome coronarien aigu de Mehdi et de Lesambes, les cours de deuxième année, parce que c'est là où on en parle surtout. Et j'ai analysé les cours sans les prises de notes, parce que c'est de toute manière pas très neutre, parce que j'avais suivi les cours de Lesambes, alors que les cours de Mehdi, je les ai surtout reçus en PDF. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une volonté d'intégrer le genre dans les cours. Malheureusement, les illustrations, elles sont plus souvent masculines que féminines. On se dit que c'est peut-être ce qu'il y a de plus disponible, mais on trouve très facilement plein d'illustrations féminines pour poser des ECG, par exemple. Les stéréotypes, ils sont évités. Et puis le langage épicène, il est utilisé dans les cours de Mehdi, mais pas dans celui de Lesambes, malheureusement. Au niveau de l'algorithme CORFA, vous le connaissez tous, il s'appelle douleur thoracique. Et puis s'il n'y a pas une définition typique et qu'on suit les cases et les flèches, on ne devrait pas traiter. Il y a de nouveau cette volonté, comme j'ai dit, pour les algorithmes CORFA en tout cas, de garder le titre douleur thoracique pour baser les algorithmes sur des signes et des symptômes. Et puis apparemment, ça va peut-être changer la petite case verte en bas avec une définition atypique. Au niveau de la prévention, ce qui ressort globalement, c'est que la population elle est mal informée. Les femmes, elles ne sont pas forcément au courant des symptômes, de leur risque de faire des maladies cardiovasculaires, etc. Les médicaments à but préventif de refaire un syndrome coronarien aigu, il est moins souvent prescrit chez les femmes, c'est le graphique qu'on voit à droite. Les valeurs ne sont pas énormément différentes, mais dans tous les cas, elles sont un petit peu moins prescrites avec des médicaments. Par contre, les femmes, elles sont plus souvent dirigées vers des programmes de perte de poids, d'arrêt de tabac, enfin, des changements d'hygiène de vie. Et ce que j'ai pu trouver aussi, c'est que la première stratégie suisse de prévention contre les maladies cardiovasculaires qui est vraiment insérée au niveau politique, elle date que de 2016. C'est une stratégie qui est basée sur 2017 à 2024 avec des objectifs, mais avant 2016, il n'y avait pas de stratégie au niveau politique. Ce que je voulais relever dans mon travail de diplôme, il n'y a pas beaucoup de systèmes qui fonctionnent comme le nôtre d'un point de vue préhospitalier en Suisse. Du coup, il n'y a pas énormément d'études qui existent sur le préhospitalier. Du coup, j'ai dû prendre beaucoup d'études qui existent, mais au niveau hospitalier, et dériver un peu les données. De toute manière, c'est un peu ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. On regarde ce qui fonctionne à l'hôpital et puis on essaye de faire pareil dehors dans des bus. J'ai fait une liste de recommandations que je vais vous montrer juste après, qui est pour moi pas toujours adaptée aux préhospitaliers. Typiquement, on pourrait faire de la prévention, mais faire de la prévention à une femme qui est tabagique et puis qui est en train de faire un infarctus aigu, qui est anxieuse, qui est stressée, qui a mal, et puis de lui dire « Vous savez, arrêtez de fumer, ça serait bien. » C'est pas forcément le moment. Je pense qu'il y a d'autres interventions où on pourrait faire ça si on va la chercher parce qu'elle a fait un malaise, qu'elle nous parle, qu'elle veut arrêter le tabac. Je pense que là, on peut saisir ces opportunités pour faire ça, mais pas adapter à la situation et pas vouloir faire absolument de la prévention à tout le monde, surtout qu'on est souvent dans des moments assez aigus, urgents, stressants pour les patients. Quelque chose d'autre que j'ai voulu relever, j'ai voulu rester assez large sur mon travail de diplôme. J'ai voulu regrouper tous les syndromes coronariens aigus. Et du coup, j'ai des études qui comparent les valeurs des infarctus du myocarde comparées aux valeurs d'esthémie, comparées aux valeurs de syndrome coronarien aigu. Et du coup, c'est pas toujours directement comparable parce que c'est pas exactement le même contexte, mais dans l'idée, ça reste les syndromes coronariens aigus. Pour conclure, du coup, ce qu'on peut changer, effectivement, on peut changer des choses. Au niveau du diagnostic, faut pas oublier cette présentation atypique, de pas se dire, il n'y a pas de DRS, du coup, je ne fais rien. Faut prendre le symptôme du stress, quel il est. Est-ce que la personne, elle est stressée, c'est un facteur de risque? Est-ce qu'elle est stressée parce qu'elle fait quelque chose de cardiaque? Puis pas forcément se dire, elle est stressée, c'est pour ça qu'elle a mal dans la poitrine, elle n'a pas vraiment mal dans la poitrine. Pensez à la réalisation de l'ECG, de le faire plutôt sur le sein que sous le sein, et puis de prendre le temps d'analyser ces ECG qui sont moins flagrants. Au niveau de la prise en charge, faire attention aux biais d'ancrage que le 144 nous impose malheureusement. On essaie toujours de ne pas se mettre des biais, mais c'est difficile.
Dans le meilleur des mondes, on a des équipages mixtes. On a vu que le genre soignant, enfin, si c'était une femme qui prenait en charge, il y avait un petit peu moins de mortalité. Je pense que c'est quand même important d'avoir des équipages mixtes en ambulance pour les raisons qu'on connaît tous. Pensez à l'hôpital de destination. C'est des gens qui ne vont pas forcément être transférés. Ça peut augmenter nettement le temps de prise en charge totale. Du coup, si on envoie directement les personnes dans des hôpitaux avec le plateau technique adapté, ça fait gagner du temps. Et pensez au rythme aussi de l'intervention. Au niveau de la prévention, comme j'ai dit, on peut en faire selon les moments si c'est adapté. Puis aussi, surtout, on peut renforcer ce lien avec les patients et les soignants, pour qu'ils aient confiance. Et puis, typiquement, ce que je disais avant, les femmes qui ont peur de dire à leur médecin qu'elles ont des douleurs parce qu'elles ont peur qu'on les prenne pour des hypochondriaques. De justement un peu essayer de renforcer ces liens, ce qui peut aider le reste de la prise en charge et pour le reste de leur prise en charge de manière générale. Au niveau de l'enseignement, faire attention aussi aux biais d'ancrage, notamment à l'algorithme CORFA, comme j'en ai parlé. Les recommandations, elles sont déjà bien appliquées. Je pense qu'on peut toujours faire mieux. Et puis, les algorithmes, de manière générale, dans les services, c'est aussi la base de ce qu'on utilise. Essayer de pas toujours les prendre au pied de la lettre. Au final, c'est que des cases et des flèches. Pour les remerciements, je voulais remercier Laurent De Giuli qui a été mon tuteur sur ce travail, qui m'a beaucoup aidé et puis qui m'a laissé travailler comme je voulais, c'était très bien. Tous les services d'ambulance qui m'ont envoyé leurs algorithmes pour que je puisse les analyser. Les responsables des centrales 144, Valais, Vaux-Neuchâtel et Genève, qui sont Alexandre Briguet, le docteur Fabrice Damy et Florent Guiche. Émilie Jean et Coralie Bally, qui sont des collègues qui ont fait la formation ou qui font la formation ambulancière. Émilie Jean qui a fait un médic qui a pu m'envoyer ses cours, Coralie Bally qui a essayé de m'envoyer les cours de Lausanne mais qui n'a pas pu, mes camarades de classe parce qu'on était tous dans le même bateau à faire un travail de diplôme et c'était plus sympa de faire ça ensemble, ma mère qui a pu beaucoup m'expliquer la valeur P, ces choses joyeuses des analyses d'articles, puis mon père qui m'a enseigné les grands principes d'analyse statistique et de santé publique dès qu'il l'a pu. Au niveau de la bibliographie, voilà. Merci. Qui a des questions? S'il te plaît. Sur le slide, tu parles du 144. Oui. Les centrales qui utilisent des systèmes de tri. Est-ce qu'eux, ils se sont déjà posé la question de leur sur-triage, sous-triage, où ils utilisent leur système evidence-based et en fait, ils ne se posent pas plus de questions que ça sur l'impact que ça a sur les patients ? Il y a justement juste la... Il faut que je reformule. Sur les centrales 144 qui utilisent leurs différents systèmes de triage, est-ce qu'ils se sont déjà posé la question sur leur valeur justement de sur-triage ou de sous-triage, où ils font... evidence-based medicine, et puis ils ne vont pas chercher plus loin. Il y a Vaux-Neuchâtel qui a fait cette étude, parce que ce n'est pas basé sur l'evidence-based medicine. Je pense que c'est aussi un argument pour dire, regardez, ça marche bien en général. Le Valais, il faisait des études, mais c'était plutôt de la réécoute d'appels pour essayer de voir s'ils avaient bien suivi la MPDS ou pas. Mais il n'y avait pas tellement de lien avec la catamnèse après ou le NACA du patient. Et au niveau de Genève, je sais qu'ils sont en train de mettre en place avec justement cette notion d'échelle suisse de tri. J'étais censée avoir des études que je n'ai jamais reçues d'un docteur du 144. Voilà. Merci. Quelque chose ? Oui ? Toujours sur les régulations de la centrale 144, parce que du coup, globalement, ça a un impact en fonction du canton sur lequel on est. Et de l'âge qu'on a, etc., sur la prise en charge globale. Ça, j'ai pas. Est-ce que, de nouveau, au lien des régulations 144, est-ce qu'en fonction du canton et puis de l'âge qu'on a, est-ce qu'il y a des impacts différents? J'ai pas analysé ça, j'avais pas vraiment des valeurs par canton qui ressortaient. J'ai eu surtout des valeurs suisses, mais des valeurs cantonales, j'en ai pas tellement vu passer spécifiquement, du coup, j'ai pas plus d'infos dessus. Toujours par rapport au 144, cette différence de 30 ans qu'il y a sur Genève. Alors, manifestement, il t'aurait expliqué pourquoi, mais toi, t'aurais des pistes de réflexion, des idées. Du coup, au niveau toujours de la régulation 144, pourquoi il y aurait une différence de 30 ans pour l'algorithme douleur abdominale à Genève?
Il y a effectivement des études qui montrent que les femmes font des infarctus beaucoup plus tard que les hommes. Du coup, il y a certaines études qui montrent ces écarts assez importants. Moi, j'ai essayé de prendre des études qui avaient le plus de participants, voire des cohortes, qui montraient quand même, enfin, dans mon cas, que les valeurs que j'avais, moi, il y avait cette différence d'environ 7-8 ans. C'est l'American Heart Association qui a fait une cohorte. Et du coup, basé sur ces études, mais on voit qu'il y a des études qui montrent qu'il y a effectivement 30 ans de différence, mais c'est une étude ou deux. Puis du coup, ça, c'est moins représentatif qu'une cohorte qui prend plus de données. Je pense que c'est potentiellement pour ça. J'ai pas, du coup, Lucie demande pourquoi j'ai pas contacté Fribourg pour la régulation 144. C'est que Fribourg, il fonctionne aussi sur la MPDS. Et du coup, c'est exactement le même système de tri que le Valais. Et c'est pour ça que j'ai pas appris les deux. Tout bon ? Très bien. Merci.